Mes hommages YouTube, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous appréciez Control parce que c'est ce à quoi on joue aujourd'hui. Voilà, j'adore mes lancements de vidéos. Control est un jeu d'aventure action à la troisième personne. Non mais on s'en fout. Voilà, ce qu'on veut c'est voir le mec jouer. Donc, j'ai encore oublié comment ça marchait. Donc, a priori, j'ai encore les trucs et... Et maintenant, j'ai une des quêtes pour le DLC. Donc, un lieu sombre, examiner l'ascenseur du secteur. C'est le truc, ça. Alors, le tango de Massi Palaiso, là. Un secteur de recherche afin de trouver la porte, la recherche dimensionnelle. Le projecteur de diapo. Est-ce que je veux faire ça ? Dans la recherche dimensionnelle, ok. Alors, je me déplace. Faut que j'aille où ? C'est quoi le plus proche ? C'est quoi le plus proche d'après vous ? Division d'Hérite. Ouais, j'ai l'impression que Division d'Hérite, c'est quand même assez rapide, ouais. Let's go. Bon, sinon, comment ça va, vous ? Dites-moi tout. Oh, ça charge plus vite, non ? C'est moi ou ça charge plus vite ? Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Est-ce que je me rappelle comment on joue ? Ah, je me suis bien fait eu là. Quoi ? Mais non ! Je me suis bien fait eu. Tout. D'accord. c'est quoi la mission là ? Oh, le panoptique, c'est chiant. Donc on va repasser par chance et proba quoi. Ah bah non, attendez là. Ah non, pas du tout. Ah, j'y ai cru. Hein. Padam pam pam. Non. 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 Voilà, c'est ça. Ça y est. Ah oui, c'est... oui, c'est... d'accord, ça y est. Les gens qui parlent... Et là, faut que j'aille en face. Hein ? Ah. Oh !
Moi je lui ai tiré dans le dos à lui. Ok, bon. Et bah c'est par là. On y va. Ouais. Ah d'accord. Mais c'est pas grave parce que maintenant on a le truc. Non, c'est au-dessus. Bah. Merci. Ma connexion saute, c'est pénible. Alors. Alors, savais-tu que je sais comment faire. Je sais comment régler ton problème de connexion qui saute. Ouais, je sais. Je suis plus là. Ouais, mais je sais quand même. Ouais, mais je sais quand même régler ton problème de connexion qui saute. Oh là là! Quel bazar, parler aux plantes. No Artie. Where is he? J'ai plein de... Le truc secondaire à faire. Éliminer le bouchon. Now this boy left, said the son of Anniki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Quoi? Mais je suis où? Ah, je suis toujours dans le... Ok. Merde. Oh non! Aïe aïe ouïe. Il est où? Il est là-bas.
Mais on est où là? Ah! C'est l'endroit où on pouvait aller? Merde! Putain, mais ça tire tellement fort ces conneries là! Ça fait tellement mal! Oh non, putain, il était derrière! J'ai eu peur! J'ai eu peur! Le petit sursaut! C'est pourtant pas un jeu de... un jeu d'horreur, quoi. Ok. Pourquoi j'en ai qui sont arrivés de derrière, là? Merde. Putain mais... Ok, j'ai réussi à les avoir. Tiens, tiens, tiens. Et de 1, et de 2. Et de 3. Alors, tout est fermé. Ok, c'est le bordel dans la chambre. Là, ça a l'air d'être mieux. Parfait. J'ai ouvert les portes. J'ai eu la clé, ok. Fallait juste allumer les radios. Quoi? Hein? Bah. Qu'est-ce que quoi?
Oh là là, le petit malin, ouais. Le petit malin, il avait son propre... sa propre lumière à allumer, là. Coucou, Jonah! Comment tu vas? Alors... Ok, on descend. Tout doucement. Histoire de pas se faire avoir comme d'habitude, hein. Il y aurait donc un fond. La zone interdite. Évidemment, tous les streamers l'ont faite cette vanne, hein, mais... je m'en serais voulu de pas l'avoir faite. Ok. Sans le fight là. Hein. Oh! Putain, il y a eu un mec quoi. Désolé hein. Il y avait un mec. Ils sont où? Il y a tous les méchants.
Non, remonte! Et merde! Ah, je me prends un truc, ça me décale et je tombe, quoi. Bon, et bah on a plus qu'à tout refaire. Sympa, sympa. Oh, puis on retourne là, quoi. Voilà, parfait. Voilà, merci. On va lire les trucs là. Oula, ouais. Alors, chalet d'Ati. D'accord. Les dossiers. Résulbé d'Albany. Une équipe d'intervention est envoyée pour contrôler un EAM potentiel en cours à Albany. Sur place, l'équipe a trouvé et récupéré AI-63. Le bureau a découvert un grand message... Non, je vais le refaire. Le bureau a découvert de nombreux messages circulant sur Internet concernant de grands bruits provenant d'un entrepôt de logistique abandonné appartenant à la société. Les autorités locales ont découvert plusieurs corps mutilés à divers degrés aux alentours. Ces différents éléments qui se sont produits uniquement lors de les trois dernières pleines lunes nous ont amené à envisager la présence d'un loup-garou. L'agent de terrain s'y est rendu accompagné d'une escouade de soldats en cours d'instruction afin de procéder à un exercice pratique sur le terrain, jugeant peu probable de trouver un véritable EAM. Contre toute attente, l'équipe a découvert un objet altéré hautement dangereux qu'ils sont parvenus à récupérer. À son arrivée, l'escouade a pénétré dans l'entrepôt et a découvert des caisses non livrées abandonnées par le précédent propriétaire des lieux. Alors qu'ils enquêtaient sur le bruit, le long du côté sud du bâtiment a provoqué un effondrement vers l'intérieur. Des caisses en bois mises en mouvement physique accéléré par ont rendu l'agent de terrain et deux décadés inconscients. Les autres ont pu sortir de l'entrepôt avant qu'ils ne s'effondrent entièrement. Dans les décombres, ils trouvèrent AI-63 au point d'origine de qui a tiré et repoussé les débris. Ils ont monté la garde autour de l'objet jusqu'au coucher de lune. À cet instant, les effets de l'objet altéré ont été suspendus. Ils ont ramené l'objet au bureau sans complication. Aucune perte n'est à déplorer. L'effondrement de l'entrepôt s'est produit sans témoin. Aucune procédure d'information n'a été demandée au département des communications. La plainte du fourneau, le fourneau. Pourquoi n'a-t-on pas le droit de brûler les documents dépassés dedans? On gagne juste un feu qui semble être fait juste pour ça. S'économiserait un peu d'argent et beaucoup d'efforts. D'habitude, les gens en costume cravate aiment bien ça, pas vrai? En vrai, qu'est-ce que ça chauffe ce truc? Et qui en est responsable? C'est toujours allumé, mais il n'y a jamais personne qui s'en occupe. Ça fait du bruit, du genre un peu, je sais pas, bizarre. Je suis quand même pas le seul à entendre la dose de respiration sifflante, un truc du genre. Quelqu'un devrait y jeter un coup d'œil. Il y a peut-être un truc à remplacer. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Je n'en doute pas. Merde. Merde. Il est où? Bon bah tant pis. Tiens, là ton pote.
Ah! C'est bon ? J'ai réussi ? Ouais, j'ai réussi. Hop, allez. Est-ce que vous pensez que les speedrunners ils arrivent à traverser la zone sans attendre le téléphérique ? J'ai bien nulle part. L'endroit où on est, c'est nulle part. Voilà, il y a un truc bizarre qui se produit là. Pourquoi on avance tout doucement quand on va dans ce sens-là? Ah! Oh, c'est tout buggé! Oh, la zone est tellement buggée. Ouais, mais le truc qu'ils ont ramené, c'est Ati en fait, c'est ça? Allez, on danse. Hop, je danse. Super hein. There's something up ahead. Do you see it? Un truc là, non? Ah non. Qu'est-ce qu'il me balance lui? Ati? Did you miss me? Did you have peace in your sock? Yes. No. Bark don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys. Ah, j'ai récupéré de la capacité. Dégâts corps à corps, j'en fais plus de corps à corps, donc on s'en fout. Ah.
Ah, lévitation appuyée sur RS pour percuter le sol et blesser les ennemis. Eh ben vas-y. Ah merde, j'avais ça. Ah merde, j'avais plus d'énergie. Ah merde, en plus c'était deux. Non, j'ai pas fait gaffe. La désolade. Est-ce que du coup je vais changer le... Non mais arrête. Je vais changer la mission. Ouais, j'ai plein de trucs là. Si y a d'attirer, on est en parlant de plan de recherche centrale dans le secteur de recherche. La mousse, l'aile médicale du secteur du confinement. Ouais, je peux faire ça, ouais. Bah, c'est des petites quêtes, ça c'est mignon. Recherche centrale du coup. Et bah let's go. Merde. Hop, recherche. Je fais pas le... Voilà, division des rites après. C'est ça, je suis pas loin. On va aller parler aux plantes. Ok. Mais il y a un truc ici. C'est chance, c'est probable en fait là. Talk to the plants. Small talk was never really my strong suit. At least they can't talk back. C'est à quelle plante que je dois parler parce que... Il y en a plein là des plantes et... Elle me parle pas. Je suis au bon endroit ou pas? Oui, je suis pile au bon endroit. Ah. Ok. Oh. Ça marche. Ça marche, la plante, elle était contente. Là non. I hope those nasty hiss haven't been bothering you too much. OK.
Donc c'est les plantes qui font un peu la tête. C'est à elles qu'il faut que je parle. Ok, donc a priori il m'en reste 3 encore à qui je dois faire la causette là. Ok. Ah, tu dis ça, mais maintenant. Tu l'as revu ton frère Pas les grands amours non plus, hein. Pas déconner, hein. Il m'en reste 2 là. J'en trouve encore 2. Ah, sûrement elle, voilà, ouais. They say I'm the director, but what does that mean? I have no experience in leadership roles. I have no on-the-job training. En train de se confier aux plantes quand même, hein. Ça y est, comment ça... C'est quoi là-bas, non? Petite dernière dans le coin, là. Plan-plante. Plan-plante. Tu es où, plan-plante? Elle est où, la plan-plante à son papa? Elle est où, la plan-plante à son papa? Hein? Elle se cache? Elle se cache la plante? Bah alors. Merde! Putain mais... Arrête de bouger, sale con! C'est bon? Je peux continuer? Merci. Your chlorophyll really brings out the green in your leaves. Elle drague les feux. Elle les drague, hein? But I kinda wish there were more. We're good listeners. Finalement, elle a apprécié. Ça c'est fait. Alors,
Next. Ah bah oui, faut que je change la mission. Nettoyer la mousse. Attendez. Ah bah, je sais plus ce que je fais. Je suis en train de me paumer dans les contrôles là. Dans les contrôles. Ah mais qu'il est drôle. Ah là là, qu'il est drôle. Capacité, augmentation de l'énergie. Et bah voilà. On est full énergie, c'est parfait. Next, confinement. Il faut que j'aille dans l'aile médicale. Ouais, l'aile médicale, c'est la logistique et après on va à gauche. Ça, je m'en rappelle. Un peu. Ah, ça charge plus vite, mais par contre, l'image de fond, elle rame à mort, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre, quoi. C'est soit l'image de fond, elle marche bien. Non, ça, c'est les cabinets, ça. Non, ça, c'est rien du tout. Non, bah, j'ai tout. Allez, je remonte. Alors, comment je me charge la mousse là ? Ah, ça se trouve, elle fait des tâches en plus. Si ça se trouve, elle fait des tâches. Ça s'est récupéré, c'est parfait. Mark Gibson, male, age 28, returned from the astral plane approximately 13 minutes ago. Mold's gotten in here too? All right. Let's get cleaning, she said, cocking her gun. Ok, donc faut que je trouve les gros bubons. Voyez, paf, paf les bubons quoi. Là, pas de bubons. Ah non, regardez un bubon là. Vu. Ah, j'en entends un encore, non?
Ah, il y en a un là. Ce qui est bien avec les bubons, c'est qu'ils sont pas très discrets. Ils font du bruit. Là, je l'ai pété. Ah! Merde. Et ben voilà. Nettoyer la mousse, c'est fait. Merde. Bon bah voilà, merci les gars. Ça j'y suis déjà allé là. Ensuite, prochaine mission. Virer le bouchon. Capacité, qu'est-ce que je peux récupérer? Encore de la lévitation. Ou le dégât d'impact. Saisis les ennemis dont la santé lourd dont la santé est faible. Ah! Oh! Je pourrais améliorer ça aussi. Ouais, le bouclier qui balance des trucs. Allez, un peu de saisie, ça va faire pas de mal. Ça va pas faire de mal de saisir les ennemis. Hop là. Alors ensuite, on va où? On va où qui m'a dit? Alors, donc je suis là. Mold's gotten in here too. Mais ça c'est l'autre mission ça, non? Non? Bah si, carrément en fait.
sont où? Ah, bubon là-bas. Mais il est où l'ennemi? Il reste un ennemi. Ah, il est là! Voilà. D'accord, bah il était juste devant moi. Hein. Finalement, c'était tout simple. J'ai l'air d'en avoir qu'en haut, hein, non? Y'a pas l'air d'avoir de mousse en bas. Il y en a en haut là. Le petit bruit. Par là. Au milieu. Non, c'est pas ça. Là, y a rien. Ah, la chasse au bubon, c'est pas simple. Hein. Ah, elle est là-haut. Même. Ok, cool.
Ok. Où ça pue la merde au sens propre et figuré là cette mission. C'est tout ? C'est ça la mission ? Ils m'ont vraiment envoyé déboucher les toilettes quoi. Vraiment quoi. C'était vraiment une mission débouchage de toilettes. Super hein. Je suis la directrice et on m'envoie récurer les chiottes quoi. Je suis déçu. Hein. Je suis très déçu. Ça mon chaton ? A priori ça a l'air d'aller. Toup. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Donc là faut que je remonte ouais. Ah oui, c'est vrai. Quoi ? Qui me tire dessus ? Qui ? Tiens, toi, tu me tireras plus vite. Si en disant que je m'en foutais en fait. Finalement. Si on se barrait. Sans s'occuper des relous. Ça pourrait en effet être une bonne idée. Hop là. Capacité, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire encore plus mal. Mais non, mais on va essayer de voler plus longtemps. Moi, je veux voler, moi. Hop, et déplacement rapide. Si je retourne voir machin, là, la maintenance. Ventilation, c'est le premier truc, non? C'est ça. Ouais. On va essayer de voir si Hattie est de retour dans son bureau. Just take a seat. Okay. This is what being a janitor is all about. Ah ouais.
I suppose the janitor's assistant does need proper janitor attire. Oh non! Ah non, je vais voir le costume. Le costume de Yann Itor. Bam 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 bam. Salut les gars. Salut hein, ça m'a fait plaisir. On s'appelle, on se fait une bouffe hein. Hop. Je vais aller regarder ce merveilleux costume qu'on vient de récupérer. Oh, y'a Rabia qui patoune son plaid. Y'a Rabia qui avec son plaid et qui le patoune. Alors qu'est-ce qu'on a comme tenue? L'assistante du concierge. Nah, je vais quand même garder ma tenue asynchrone, hein, que j'aime beaucoup. Mais c'est en temps quand même. Hein. Alors, je vole. Bam, je vole encore plus. Ah zut, c'est 3 points. J'augmente la saisie. Ouais. Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai... Ah, il a une mission à faire faire, lui. Oh non, non, j'ai rien de... Ouais, ouais, je sais. Du coup... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Et donc, bah on est sur Polaris, là. Hein. Faut que je fasse des trucs, là. Des agents déformés par le IS dans le secteur exécutif. Je suis dans l'exécutif, non? C'est ici l'exécutif. Bah oui. Si je vais à la cantine, il va y en avoir des agents. J'avais pas encore ouvert ça? À un moment, on se demande ce que je fous quand même. Hein. Et pour une fois, il n'y a personne, quoi. D'habitude, on se fait alpaguer direct. Et là, il n'y a pas un ennemi qui pop, quoi. Ah, ça y est. Olé! Moi je te rends le moins. Merci mon pote. Oh ! Qui ? Où ? Comment ?
Ok. Je suis déçu si c'était pas des déformés quoi. Et maintenant comment j'y retourne? C'est par là. Ok, allez, on va aller on va aller là où on doit aller, c'est-à-dire hop, pile ici. Un peu chelou cet endroit, non? Je comprends mieux pourquoi le labyrinthe tout seul c'est pas possible hein. Ah d'accord, ça monte tout seul. Merde! Arrête-toi!
Merde. Ah, fais-moi le malin, hein. Merde. C'est bon, tout le monde est mort là? Ok. On va avancer, hein. Ah. Il est venu, il est reparti. Ah, bah ils sont venus, ils sont repartis aussi. Dommage pour toi, t'es tout seul. Ah 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 ah. Il est où? Aïe. C'était beau. C'était vraiment beau. That was awesome. The expedition into Slidescape 36. What Darling brought back changed everything. Ok. Puis la zone pour trouver le projecteur de diapositive. La recherche dimensionnelle. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté un peu mes dossiers, la hotline et tout. Alors, cendrier et cigarette, aucune procédure particulière n'est requise. L'objet est un cendrier en acier au fond, un labyrinthe a été gravé. Une cigarette qui se consume éternellement s'y trouve. Ce labyrinthe se forme là où l'objet est placé actuellement, l'objet lié au directeur Trench. L'objet a été découvert par une équipe de soldats envoyés dans une maison de retraite reliée à de nombreux signalements de disparition. Des agents des autorités locales ont eux aussi disparu après avoir répondu à plusieurs signalements de disparition. L'agent a découvert l'objet dans une... Ce qui indique qu'il était la source des disparitions. On ignore où se trouvent les personnes manquantes, bien qu'elles soient supposées perdues dans le labyrinthe. Procédure du radiateur. Pour procédure de confinement, aucune procédure particulière n'est requise. Si la forme de l'objet est différente de celle précédemment décrite, ajoutez une remarque décrivant la nouvelle forme. Simulacre. D'accord. Les véritables formes et apparences de l'objet sont inconnues. Il a été créé
Il a été vu sous les formes suivantes. Un jeu de clés, une boîte à repas, une clé anglaise, un microscope, une agrafeuse, des lunettes, un tube à courrier, une cuillère. L'objet est capable d'adopter la forme des autres objets à proximité. L'objet est capable de se déplacer sur de courtes distances en se repositionnant lorsqu'il change de forme. Cela ne se produit que lorsqu'il n'est pas observé directement ou indirectement. Putain, c'est Outer Wilds all over again. Pour cette raison, la transition est... Oh là 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 là. Et c'est le raid. Merci. Attends, attends, je finis. Je finis mon truc. Pour cette raison, la transition entre les formes n'a jamais été observée. La récitation des formules L14 ou L32 révèle l'objet en le faisant trembler. Bra. Oh là là, oh là là. Allez Est-ce que je peux en faire plus? Merci beaucoup Nova, merci. Comment ça s'est passé ton stream? T'étais sur quoi? Sur quoi t'étais? C'est rigolo parce que vous arrivez, je vais aller faire une pause. Ah ouais, super hein. Cet objet a été découvert à l'intérieur du bureau. Soit un agent l'y introduit volontairement ou involontairement. Soit il s'y trouvait avant l'emménagement du bureau dans l'ancienne maison. Ah mais non, pas de pause, fini. Ah bah si, si, si. Parce qu'après, que va dire YouTube? Alors, coucou Fujari. Fujari. Alors, je sais jamais dire ton pseudo, hein. Coucou Mama. Voilà, merci. Coucou Dova, et merci beaucoup pour le raid. Et merci Dorky d'être là. Et bonjour. Salut Irid. Fiaré, oh c'est chiant. Non mais faites des pseudos simples pour moi. Hein. Vous savez, j'ai du mal à lire moi. Hein, et il faut faire des trucs simples. Appelez-vous Toto, Tata. Après Toto, Tata, Titi, Tutu. Et voilà. C'était contrôle, je pouvais pas résister. J'ai fait des trucs chelous là. Il y avait un Tutu, ouais. Tutu c'est bien aussi. Vous avez loupé le rock. Je viens de passer à travers le labyrinthe et il y avait une musique, elle était vachement stylée. Elle était vachement stylée, j'ai beaucoup aimé la musique. Donc voilà, vous arrivez après le rock. Voilà. Riri, Fifi. Bah non, tu vois, Zdopu. Non, ça, je n'y arrive plus, tu vois. Non. Non, non, là, ça marche plus. Riri, Fifi, c'est ok. Alors, s'il y avait un loulou, ça serait bien aussi. Loulou ? Loulou. Du coup, ouais, t'étais sur quoi, Dova ? Ça s'est bien passé, j'espère ? Bon, a priori, voilà. Vu la bande de loulou qui te suit, j'espère que... Il a pas la ref. Bah non, j'ai pas la ref. C'est quoi la ref? Racontez-moi la ref, j'ai pas la ref. Batman, The Enemy Within. Puis la mage RTX de Hellblade. Oh là là, mais les Cassos, ah ouais, non mais je suis absolument pas les Cassos. Hein. Je sais que Dova, qui a les bourses trop lourdes, suit les Cassos, mais moi non. Donc j'ai pas la ref. C'est un truc de jeune, hein. Vous savez, moi je suis vieux. Hein. Vous savez, les cassos, c'est un truc de jeune. Hein. Voilà, moi je. J'ai 37 balais, bientôt 42. Voilà quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, le petit sapin? Attendez, je parlais du sapin. Extrait de Discours altéré de AI-14 du docteur Théodore H. Les résultats sont incroyables. Mais moins que la vitesse à laquelle nous faisons des découvertes grâce à cela. AI-14 copie nos paroles, mais une batterie d'expérience nous a permis de découvrir que certains mots sont absents de son vocabulaire. Nous en dressons une liste que nous croisons avec les textes ésotériques des premiers jours du bureau. Nous avons découvert que ces mots arrangés dans un ordre précis et prononcés à des vitesses et cadences variables provoquent une réaction des matières altérées. Nous avons éprouvé ces séries de mots que nous proposons d'appeler des formules avec d'autres objets altérés confinés dans l'aile des examens. Nous avons enregistré divers degrés de réponse physique de la part de chacun avec un taux de succès de 82%. Nous avons prouvé que des paroles peuvent affecter ces objets de façon mesurable. Des applications précises restent à déterminer, mais il serait possible de s'en servir à des fins d'identification ou de confinement. Vous voyez, c'est pour le Covid. À partir de maintenant, cela a considérablement modifié nos approches. Il en reste encore d'autres à trouver. Oh là là. Ah, j'ai pas le sample des bourses trop lourdes, moi.
Moi, c'est bon. Mis à part le poids des fils, elles vont bien. Elles vont bien. Ah, oh, merci beaucoup, Irid. Merci beaucoup pour ton sub. Tiens, tu as le droit des coin-coin. Et merci, Fieril, pour le follow. Le poids des fils. Et Tony Hub, j'ai presque 15 piges de plus que toi. Oh là là, tellement vieux. Par contre, je reste pas très longtemps, je vais aller faire dodo, t'inquiète. Je peux comprendre. Bon dodo à toi. Bon dodo. Et puis, bah, j'imagine, bon travail demain, du coup. Amour sur toi et contre lui. Ouais. Ah, bah, je commence à comprendre le jeu. Hein. C'est faux. Trêve de bilvesée, je vais me coucher. Bonne soirée, bon contrôle. Aider Bulbizou. Et ben merci beaucoup, Fieril. Et il ment. Bah évidemment, je mens. Personne comprend ce jeu. Personne. Ceux qui disent qu'ils comprennent, c'est qu'ils mentent. Quelqu'un a vu le concierge passer la serpillière dans le coin. C'est censé être une zone interdite, non? Qui lui a donné la permission d'entrer ici? Et comment il est parvenu à franchir le labyrinthe? Ah, ils ont tous les boules, là. Ils ont tous les boules parce que le concierge, il a réussi à faire des trucs. Oh, on peut écouter la musique. Et 7 minutes. Allez, c'est bon, j'écoute. Allez, un petit tango sinon. Non. C'est une blague. Mark Gibson, male, age 28. Returned from the astral plane approximately 13 minutes ago. This was his 21st dive. Patient is experiencing migraine-like pain, intense pressure behind the eyes, and partial blindness. He has no recollection of his time in the astral plane and appears severely disoriented. Ils ont encore tué un, quoi. Examination revealed no immediate cause, so we will be sending the patient for X-rays and. Ah, je veux pas savoir de quel orifice est sorti d'un coup. Je veux pas savoir. Hein. Alors, le comité. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le comité? Allô? Allô, le comité? Vous avez vu la fondation base du bâtiment de l'arbre? La maison a poussé là, ici, partout. Nous sommes là, partout. Nous avons une prise, porte là. C'est un lien direct. Ok, bah, super. Ah, ils sont bien le comité, mais on comprend vraiment rien à ce qu'ils disent. Attends, les Poets of the Fall, as known as les All Gods of Asgard. C'est un vrai groupe ou pas? Expeditions into Slidescape 36. They told me not to go. The director should not put himself in danger. I told them to fuck off. What? I've seen action before and I had to witness this myself. To find some... Je crois que t'étais plus là, Nova. I couldn't sit on my ass. Alone with my thoughts, my memories. Anything but that. Those who survived were deeply affected by what we found there. Mais pas lui? What Darling brought back. It changed everything. Whether that's a good thing or a bad thing remains to be seen. But I did find my meaning in that desert. A sound, like a needle drilling in, cutting through the containment suit, reverberating in the base of my skull. My whole being. Darling said it was nothing, but he was wrong. It's been there ever since, growing into a certainty, into an understanding of what's at stake here, what kind of a threat we're facing, and what must be done to stop it.
Donc ouais, c'est un vrai groupe. Hein. D'accord, mais c'est eux dans l'univers Control Alan Wake. Ok, d'accord, ça marche. Le groupe s'appelle Poet of the Fall et la musique du jeu a été faite sous le nom de All the Gods of Asgard. Ok, ça marche. Vadin n'est pas là. Mais ça, j'ai quand même l'impression que c'est un peu si quand même. Et bah des bisous Irid, bon dodo à toi. Effectivement, hein, à ton âge, tu devrais déjà être couché depuis longtemps. Des bisous, merci d'être passé. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, en parlant d'aller faire dodo, eh bien, moi, je vais faire une pause. Bisous YouTube.